Par l'entracte, nous accueillons maintenant un ensemble qui nous vient du Léon. C'est sa deuxième qualification à la finale du championnat de Bretagne à Guingamp. L'ensemble Esquel en Élan a vu le jour en 1987 lors du premier festival Cannes-à-Loire de Landerneau. Depuis près de 10 ans maintenant, ce cercle collabore très régulièrement avec le Bagad de Landerneau qui assure un travail de composition et d'orchestration pour les suites dansées de ce groupe. Créé à l'origine pour les bars et les cafés américains, cet appareil public capable de jouer automatiquement de la musique enregistrée prend le nom de jukebox dans les années 30 aux États-Unis. Le jukebox, dérivé du mot argotique juke joints qui désigne un bar où l'on danse, traverse rapidement l'Atlantique et on le trouve naturellement dans les salles de danse de la région brestoise d'après-guerre. Chacun y vient pour le plaisir de danser, de se rencontrer, mais qui aurait imaginé que ce jukebox soit aussi habité par de fabuleux sonneurs et danseurs. Après la fermeture de la salle, ils quittent leur boîte à musique avec l'envie frénétique de prendre leurs instruments et de vêtir leurs costumes. Un seul mot d'ordre, faire de cette salle de danse un lieu de scène de vie, de culture, de mémoire populaire, d'échange et de rencontres. Tendons l'oreille, le jukebox reprend du service, allant parfois jusqu'à s'enrayer, mais assurant toujours la liesse et la joie collective. Mesdames, Messieurs, Jukebox Praise par l'ensemble Esquel en Élan de Landerneau. Très bien, madame. Quand vous aurez fini vos exercices. Bah oui, mais ça fait bien, hein, pour une heure et demie de bouger. J'ai pas commencé encore. J'ai fait exprès, oui, hein, de me lever. Pendant que... Voilà, je m'assieds. Ça y est, maintenant, c'est bon. Merci. Après, vous aurez l'entrée. Mécanique névé et vide la cat tout dans du dans son salle. Cette salle de danse abrite le premier jukebox de la région brestoise où chacun y vient pour le plaisir de danser, de se rencontrer. Mais qui aurait imaginé que cette boîte à musique soit habitée par de fantastiques musiciens et danseurs? Après la fermeture de la salle au public, tous ces personnages sortent un peu engourdis de ce mystérieux jukebox. L'envie frénétique de danser ne tarde pas à les animer et tous s'amusent à recréer les scènes de vie de cette salle. Ce lieu devient alors porteur de culture, de mémoire, d'échanges et de rencontres. Tendez l'oreille, n'est-ce pas ce jukebox Braise qui reprend du service ?
Thank you.
Merci à l'ensemble Estelle en Élan de l'Anvers.